aussi, on peut constater une foule qui est très anxieuse et qui a hâte d'aller faire de la raquette. Les gens ne se peuvent plus d'attendre. Et oh! C'est la cohue, ça pousse en plus. On pensait d'ouvrir les pistes à noirceur. Oh, vite! On a hâte, on a pour la bière. On va te faire des beaux modèles, mon petit gars. Ah, wow! Du lichen! Incroyable! Un gros caillou! Mama! Je suis arrivé! J'avais trouvé le vénérable du sommet! Oh, c'est magnifique. Je m'appelle Annie Moisan, je suis garde de parc naturaliste au Parc des Grands Jardins depuis 2006. Et aujourd'hui, bien, je vais vous parler du cratère de Charlevoix, qu'on appelle aussi un astroblème. Un astroblème, c'est une blessure qui a été créée par un astre et c'est quelque chose qui s'est produit il y a très longtemps, il y a 400 millions d'années. C'est une météorite qui faisait environ 4 km de diamètre qui est allée s'effondrer sur le sol de Charlevoix. Et la météorite a créé un trou d'une profondeur d'environ 6 à 8 km pour environ 26 km de diamètre. Sur le coup, c'est resté comme ça quelques dizaines de secondes, mais il y a eu beaucoup de fissures au sol et il y a eu une espèce d'effet de goutte d'eau.